4 couleurs. Celui-là, c'est le 4 places. Il y en a plus. T'en as 3 derrière. Allez, c'est parti, on a acheté le relais. Allez, les évadés, suspense. Ouais, 28,84$ quand même. Ouais, est-ce ça que pique. J'avais raison? Est-ce que c'était bien ça? Ouais, j'espère. Ah. Suspense. Suspense, suspense. Bon, j'espère. Bah écoute, hein. Ouais, ça peut que être ça, normalement. Non? Je sais pas. Ouais. En tout cas, je l'ai vérifié. Il marchait pas. Il marchait. Il n'y avait pas de continuité. Alors, il faut voir lui aussi si c'est le bon. Bon, c'est il 40... a dit que c'était universel. 40 ampères, c'est ça. Ouais. Allez. Et les broches, ça avait l'air d'être bon aussi. Ouais. Alors, par contre. Voilà, il y a un sens. Fait comme ça. Comme ça. Là. Allez, suspense. Bendy, bendy. Benji, Benji, Benji. Come on. Come on, come on. Come on, come on. Attends, suspense. Voilà, attention. Attention. Et ça marche pas. Et ça marche pas. Ça marche pas. Et là, peut-être la... le fusible. C'est pas celui-là. C'est pas bon. C'est pas celui-là. Non. C'est bizarre. Ah. Y a pas un contact à remettre. Jute. Ça marche pas. Faudrait que je sache. Ouais. Ça c'est les feux. C'est celui-là que je sais pas, mais je vais tester. Après il y a celui-là. Je coupe là pour l'instant. Ouais. Bon, je suis retourné au magasin parce qu'en fait, c'est pas ce relais, pas du tout. Alors en fait, il était juste ici derrière. J'ai pu apercevoir sur un schéma que Gabriel m'a passé. Je te remercie d'ailleurs. Alors d'après le schéma, j'ai pu apercevoir qu'il était par ici. Alors il m'indiquait qu'il était gris ou bleu. Là, il est marron. Bon, mais j'ai pu reconnaître par rapport au schéma ce plastique. Alors je suppose que c'est celui-ci et je l'espère. Donc j'ai eu de la chance parce qu'au magasin, il y en avait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que ça soit celui-là. Et allez, j'essaye ça de suite. On va voir si c'est bien ça. Bon, en tout cas, c'est le bon. Il y rentre. Allez, on essaye ça ensemble, les évadés. Je prie que ce soit ça. Parce que je ne suis pas encore sûr hein, de moi. Alors attendez, je prends les clés. Et rien ne vaut les vitres manuelles. Hein. Pourquoi ils sont électriques? Merde. Rien ne vaut le manuel. Hein. Au moins, on n'est pas emmerdé. Allez, suspense. Allez, j'appuie. Oh putain, c'est ça. Oh putain. Allez, bingo, c'est ça. Super. Bon, et merci Gabriel. Hein. Pour ton schéma, ça m'a bien aidé. J'ai pas pu l'avoir sur internet, j'ai pas pu m'inscrire sur le forum là où tu l'as pris. Je suppose que c'est là. Mais en tout cas, je te remercie. C'est ça, c'est cool. Ça y est, les vitres marchent. Bon, mon relais va être contente. C'était bien celui-là. Alors, le relais se situe côté conducteur, près de la porte, au plus près du moteur du lève-vitre. Il se situe ici derrière. Alors moi j'ai réussi à l'enlever depuis dessous, il était tenu par une vis. Bon moi je l'ai laissé suspendre, je vais me le bloquer avec un riselin ou autre parce que la vis elle était galère à enlever. J'avais pas les clés qu'il fallait, j'avais pas de clé. Du coup j'ai demandé à un magasin de me fournir une clé plate, même avec la clé plate j'ai eu du mal. Mais ça y est, c'est fait, je vais le fixer avec un riselin et voilà. Bon allez, super, c'est ça. Super.
soir, la vallée des dieux. Vallée of the God. Bonjour les évadés. Romain, c'est une vidéo. Ah, bonjour. Comment c'est une vidéo? Ok. Là, nous sommes. Vallée of the God. Ah, je crois là. Vallée of the God. Gods. Voilà, puis on va se poser, je sais pas où. Écoute, on va voir. Hein. Un peu partout, on peut aller partout. Hein. Voilà. Là. Salut les évadés, nous voilà arrivés. Valley of the God, la vallée des dieux. Regardez-moi ça. On n'a pas une belle vue là. Voilà. Là, vous avez le chemin, son enjeu tout le long là-bas. Allez, moi, cette vue. C'est joli, hein. Allez. Voilà, on va passer une nuit. Ouais, ici on passe qu'une nuit parce que demain on va à Monument Valley demain. Il fait bon, faut combien d'affaires. Hein? Il fait bon. Oui, il fait bon, c'est meilleur. Allez, on déplie tout ça. Maintenant, je vais recharger l'écoflot avec les panneaux solaires de la remorque. Allez, c'est parti. Je vais me recharger l'écoflot sur du 220 volts. J'ai une prise juste là. Quand il y a du soleil, j'en profite avec les panneaux solaires de la remorque. Il me recharge aussi des batteries au plomb qui m'alimentent les pompes et tout ça. Alors pour le 220, le convertisseur ici, 500 watts, je l'allume, hop, la tension devrait baisser, et à la 14, cela je suis sur du 200 watts de recharge sur l'écoflot. Je vais pas plus haut parce qu'après ça me bouffe les batteries. Voilà. Et là, elle est en train de se charger. Là, je suis à 210 watts de recharge. Ouais, j'en profite tant que j'ai bien le soleil, surtout qu'en ce moment, il est bas. Donc, dès qu'il est midi, entre 11h et 14h, j'en profite pour la recharger. Voilà, c'est là où le soleil est le plus haut. Après, c'est vrai qu'il est bas. Et je laisse la priorité aux batteries de la remorque, les batteries au plomb que j'ai. Alors bien sûr, je surveille la tension. J'évite d'être bien en dessous des 12 volts. Là, je suis à 12,4. Donc, ça veut dire que les panneaux tiennent la charge sur du 200 watts quand même. Voilà, donc ça, je le surveille à chaque fois pour ne pas m'user les batteries à décharge lente de la remorque. C'est ce qui m'alimente les pompes, le frigo et les lumières.
Loan il fait son lit. Ouais. Regardez les évadés. Pour les nouveaux abonnés. Voilà. Loan il dort ici. Avec tous les rangements sur les côtés. On déplie les sièges et ça se transforme en lit. Fait maison. Vous voulez surveiller le stock de nourriture. On va manger. Vous voulez manger des sandwichs? Vous voyez, ça baisse vite quand même. Je suis à 12,2 volts. C'est les coffres, ouais, pompe pas mal. Et les filles, qu'est-ce qu'elles font les filles? Bon, ici les feux, c'est interdit. Donc, faudra pas faire de feu. De toute façon, là, pour l'instant, il fait bon. Pour l'instant, il fait bon. Regardez là-bas, il y a 5 plateaux. On se met tous là-haut. On en a assez pour nous tous. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Et on prend une photo. Bon appétit. Bon appétit.
Tu joues la tête en bas. T'as pas, ça va, t'as pas la tête qui gonfle de trop?